enchaîner. On te parle d'amis, tu connais pas Ariel Chéné quoi. Bon bref, toujours Ariel Chéné, Ariel Chéné. En réalité là, il s'appelle Jean-Ariel Sren. Il est né le 1er juin 1990. Il est jeune quand même, hein. En esprit même là, il est très passionné de musique. Il a fait du jazz, du gospel, lui aussi, oh, etc, etc. Avant de se lancer dans le coupé décalé, aujourd'hui on le connaît en tant qu'artiste, chanteur, il est arrangeur aussi en esprit de façon, hein. Jusqu'à il joue batterie, piano, guitare, percussion. Mais tout ça, c'est grâce à ses parents, hein, qui l'ont envoyé à l'église pour apprendre à jouer à tous ces instruments. En 2010, il devient pianiste de l'orchestre de la RTI, les mouvements de podium, ozo, les trucs de RTI là. Et c'est dans cette histoire qu'il a croisé son mentor, sinon son cauchemar, DJ Arafat, qu'on a connu à travers ses tubes tels que Jonathan, tel que tiens, je suis fatigué, il a trop fait de son, on peut pas tout citer, excusez-moi. Dès que Ariel Chéné fait sortir, réagit, les soi-disant, je sais pas quoi là, peut pas prendre Guénon pour venir tout décrire. I don't understand. Mais bon, parlons d'Amina même. Les Ivoiriens ont parlé, oh, ils ont parlé. La fille a joli sein, jolie fesse, joli ventre, beau visage. Il y a quoi? Elle n'a pas un beau visage. Bon, ok, bref. Maria Mobile, de nationalité togolaise. Elle avait un corps plutôt banal. D'où sa décision de se faire refaire les seins, les fesses, et ses yeux aussi. Pour venir nous faire croire qu'elle fait du sport, quoi, comme les filles d'Instagram là. Lol. Mais bon, parlons de son impact dans le clip Amina. On ne passe pas par quatre chemins pour nous montrer que c'est de la fille qu'on veut parler. Quoi de plus que de montrer ses seins? On dit qu'à cause de toi là. Rempli de sparadrap, parce que si je vois bien, la robe devait être transparente. Après ça, ce sont les danses érotiques. On dit qu'à cause de... Avec un truc qui laisse à désirer. Oh, hey. J'ai entendu twerk, j'ai plutôt pensé à ça. Mais pas ça. Bon, c'est mon avis, c'est personnel. On continue. Like that, you make me crazy. Je ne comprends pas, ça là, c'est cette sexy. Like that, you make me crazy. Je vois plutôt ça comme ça. Mais bon, c'est encore mon avis, continuons. Ils n'ont qu'à parler, moi je suis le cas. Ah oui, j'avais oublié de mettre dans la biographie que Ariel Chéné est maintenant mariée. Femme datée souffre. Parlons de sensualité. Dans les clips, là, on a toujours vu les Beyoncé et les Rihanna comme ça. Maintenant pour Amina, là. Je ne sais pas. Bon, c'est mon avis personnel. Tout ça, là, même, là, c'est le chef bandit derrière chez les mecs qui m'ont déjà. Depuis notre enfance, on nous a toujours montré des chefs bandits comme ça, là. Ariel Chéné nous envoie ça. J'ai l'impression que quand il pleut à Kumasi là, c'est lui on a pu venir vider l'eau là quoi. Amina aussi, elle tue les fesses, bouge pas. Ce cher bandit tape ses fesses aussi, ça ne bouge pas. Avons-nous à faire une deuxième édoxy, yao? Je ne comprends pas. Ce que je retiens du clip, exhibition. Exhibition. Seulement que l'exhibition a donné 3 millions de vues en moins de 2 semaines. Ah, bâtard. Et Arafat, on sait tous que ça te fait mal. C'est même plus un secret pour quelqu'un. Mais j'ai un conseil à te donner. Quand tu fais tes clips là, arrête de trop montrer ton visage. Toujours, c'est la Yolo Gang. Si ce n'est pas la Yolo Gang, c'est toi. Oh, le son est doux. Les transpirations par-ci. Les acrobaties par-là. Toujours les vilaines images. Ah, déjà là, ça fait déjà moins 1 million de vues. Il faut essayer de faire des choses comme ça là. Mets des femmes dans ton clip. Moi par exemple, si je me porte comme ça, je tue le clip. Attends, tu veux dire quoi? Je n'ai pas joli corps. Non. Je n'ai pas beau visage. Bon, ok, tu peux trouver une fille mieux quoi. Et arrête de te mettre dans la concurrence avec Ariel Chéné. Voilà, tu as déjà un lion. Ariel là. Ariel, tu dois faire la concurrence avec les Safarel, les autres là, des Bordeaux. Et
Maintenant, toi, Ariel, reste toujours concentré sur ta musique. N'essaie même pas, alors même pas de faire des clashs avec Arafat. Ne va pas t'arranger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Et puis, Ariel Chiné, bonne chance à toi dans ta musique et bon vent. Bisous. Jolie Amina, hey, Jolie Amina.